Salutations, voyageurs. Nous nous retrouvons dans notre grande aventure sur Dragon Dogma. Et il y a eu quelques changements. On va déjà jeter un œil à l'équipement. J'ai acheté cette dague, dague crampon, à 50 000, et je l'ai améliorée x3. J'ai trouvé cet arc par terre. Non, en vrai, dans un coffre. J'ai acheté ce marteau pour Jill. Et je vais vous montrer à quel endroit exactement. Comme ça, si jamais vous jouez un petit peu en parallèle, vous pourrez vous aussi aller acheter tout ceci. Alors attendez, c'était ici. Juste ici, là. Au camp du Grand Mur. Au camp du Grand Mur, en gros, vous avez un vendeur. Les prix sont assez élevés. Je crois que j'ai dépensé 200 000 pour 3 objets, ce qui est beaucoup. Et ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Rien en vrai. J'ai juste acheté du stuff. J'ai acheté une cape, parce que pourquoi pas. Parce que ça change. Après, c'est dommage parce que la cape du loup. Est-ce que je l'ai sur moi là? Ouais, je l'ai encore sur moi. La cape du loup est très belle, hein. Celle-ci là. Il faut avouer que cette cape là, elle est charisme. Malheureusement, elle est moins bien. Elle est moins bien, du coup on va faire confiance aux stats. Et j'ai un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Non, vous battez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, 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 on doit faire des quêtes ici. Allez doucement, hein. Bien joué, Celta. Vas-y, Jill. Bien joué. Du coup, on a des quêtes avec ce cher monsieur qui est totalement fabuleux avec son crâne dégueulasse. C'est vrai, je suis plutôt doué. There's naught can prove a man's will but his actions. His actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Which is to say, you'll do as you're told. So, you've two paths before you. The first, to the northwest, lies a rival band of thieves. See a few of them. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Find him and see that he reaps the consequence. Make your choice. I care not which. Do one of these, and I will know you for a person of will. We shall talk of recompense then. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît comme quête. On va prouver notre valeur. Ah, j'ai vaincu un golem. Bah, je me souviens plus à quel moment. Alors, il est chez nous. Il est vraiment chez nous? Incroyable. Et la bande, elle est où? Attends. Ah, elle est là-bas. Ah, elle est tellement loin. Quel honneur chez les voleurs. En gros, ils ont envie que j'aille abattre des femmes. Chose que je ne vais pas faire, hein. Parce qu'en fait, les femmes aussi ont une quête pour moi. J'ai regardé une solution en gros, parce qu'il me manquait des quêtes. Et bah, j'ai jeté un œil à comment faire ces quêtes-là. Enfin, celle-ci, j'avais pas besoin, parce que bah, il suffisait d'aller lui parler. Mais celle des femmes, en gros, il faut être déguisé en femme. Du coup, bah, je vais voler la robe de Jill à un moment donné dans ma vie. Et j'espère que Jill me pardonnera. Étant donné qu'elle sera toute nue. Pour mon plus grand plaisir. D'ailleurs, en termes de dégâts, je vois pas trop la différence. Bon, en termes de stats, normalement, il y a une grosse diff. En termes de prix aussi, hein, il y a une grosse diff. Les anciennes coûtaient 12 000, ceux-là, bah, 58 000 plus les améliorations, bah, 110 000.
Du coup, bon, normalement, c'est des dagues de fou. Et d'ailleurs, vous pouvez les acheter directement au début du jeu. Faut le savoir. Faut le savoir. Il suffit d'aller là-bas et d'avoir bah, justement énormément d'argent. Cependant, bon. Il faut bien sûr ne pas se battre. Hein. Il faut éviter toute forme de combat. En gros, vous passez juste à côté des monstres et c'est bon. Bon, par contre, faut avoir de l'argent. Mais vous avez beaucoup de moyens de gagner de l'argent sur le jeu. Notamment d'acheter de la nourriture, de les revendre une fois pourrite. Parce que la nourriture une fois périmée est meilleure. Enfin, est meilleure en termes de prix. Mais pas pour la santé. On adore les monstres de début de jeu, hein, ce balade. Il est là-bas. Pour répondre à notre cher Jill qui nous pose des questions. Ah, le coffre est réapparu, ça c'est agréable. Ma bourse. J'ai peut-être un petit peu rajouté, j'avais 550 000 et là je suis à 329 000. Du coup, bon, ça va en, en termes de prix. J'en ai un petit peu rajouté. C'est mon côté mec du sud. Oui, je sais, je vis dans le nord. Je sais, je suis au courant. Hein. Merci. Merci. D'ailleurs, entre deux vidéos, j'ai vaincu deux chimères. Et je ne sais plus quel niveau j'étais avant de couper la dernière vidéo, mais maintenant on est niveau 39 et à la moitié du niveau 39. Du coup on a bien progressé, on joue plus, ouais on peut dire, on joue quasiment plus hors vidéo que en vidéo. Ce qui est aberrant. Je suis à 25 heures de jeu, pour vous donner un indicateur. D'ailleurs, faut courir comme jeu ici. Oui, c'est ça, il a parlé de toi, Pike. Quittez le village et vous enfuir loin. C'est un sensible course of action. If Maul is not forgiven me, he's like to send his men. It would not do to have others here harm. I shall consider your words. I still cannot decide. No matter how long I think of it, I come to no answer. What do you consider best? I see. Je peux pas décemment le tuer. Hein. Ma morale me l'interdit. Après, ai-je raison d'écouter ma morale? Ah d'ailleurs, attends. Est-elle sur place? Elle est là. Est-ce que tu as refait ton stock de carottes? Non. Je sais toujours pas si ça marche sur les baies. Ça coûte combien? Non, ça coûte rien. Voilà. On va attendre de voir s'il s'enfuit. De toute façon, je peux toujours mentir à Maul. Ça me pose pas de problème de mentir.
D'ailleurs, ce serait génial de changer l'équipement de notre cher Jill. Je supporte pas de l'avoir en robe. Je préférerais l'avoir en armure. Parce qu'en termes de style, ça se pose là quand même. Toujours pas pris de décision. Il n'a pas pris de décision. Zobby. Toujours pas pris de décision, c'est pas grave, on va redormir. Puis en même temps, on peut faire pourrir ce qu'on a acheté, du coup c'est cool. Il me semble que c'est 3 jours ou une connerie du genre. S'il prend pas de décision, il va mourir. Hein. De même. Hein. Du coup, j'espère qu'il va prendre une décision. Hein. Filet pourri. C'est toujours pas pourri d'ailleurs. Ça met du temps à pourrir ces cochonneries. Allez, un dernier jour. Zobby. C'est bon, c'est moisi. Comme ça, on pourra voir si y a une amélioration en termes de prix. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Bon, les carottes, c'est sûr qu'il y a une amélioration, mais les baies. Il y a une amélioration aussi. Hein. En gros, on gagne 1000, 1000 balles. Les carottes moisies, on gagne beaucoup plus. Hein. Ça, on perd les filets, les pavés, je sais pas. Bon, on lui a laissé un délai. S'il est toujours indécis, il meurt. Hein. I still cannot decide. No matter how long I think of it, I... I fear you have the right of it. I cannot run from the oaths I've sworn. I shall return as you say. Like as not, I shall walk to my death. But at least I shall die a man. I thank you, sir. Bah de rien, va mourir. Je t'ai quand même laissé le choix. Hein. Alors. Je sais pas si ça marchait le fait de... Tant pis pour sa gueule. Tant pis pour sa gueule. Je me sens plus familier avec cette quête maintenant. Ce n'était pas un choix facile. Allons back and tell more then. We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other folk. The roads are safer than the brush. But still, we best stay where. Ce qui est bien, c'est que comme on a dormi, tout a repop. Hein. Surtout quand on dort 3 jours là. De l'écume de dragon. Après là, le point est toujours là. Du coup, à tous les coups, on pouvait tout simplement... Ah, non. C'est plus que 3 jours pour le repop de coffre, ok. Du coup, je disais, on pouvait tout simplement... rentrer et voir si ça marchait, mais j'avoue... un peu la flemme de testouiller ça, quoi. Au moins, là, on est sûr. Puis bon, ça, il a dû tuer des gens, il a tué des gens, c'est quelqu'un de mauvais, Pike. Enfin, possiblement l'autre aussi, mais ça c'est un détail. Moi, je vous les laisse, hein, les loups.
Par contre, il y a beaucoup de bandits hein, sur la route, vu que tout va repop. Chien. À la limite, on suit que celui en armure. Comme c'est le seul à donner de l'expérience acceptable. Chiennasse. D'ailleurs, il y a une autre arme assez simple à obtenir. Si vous n'avez pas les moyens pour l'autre, ici là. Regardez mon doigt, ici là. Par contre, vous avez un golem. La tombe du voyageur inconnu, vous avez une épée sur un rocher, vous pouvez la louer. Par contre, si le golem vous agresse, faut fuir. Hein. Moi, je l'ai tué parce que j'ai le niveau. Mais si vous venez ici au début de game, je préfère vous dire, c'est mort. Hein. Et c'est une épée à deux mains. Jill ne l'a pas équipé parce que son marteau est meilleur. Par contre, toi, tu vas mourir. Là, vraiment. Au début, je voulais pas te tuer, mais. Arrêtez de me faire des tirs puissants, c'est insupportable. Vraiment. On les éclate, c'est agréable. Il y a encore un groupe là. Ouais. Alors lui, il faut se méfier, hein. Il me semble, ils sont vraiment beaucoup là. Ça va. Mais il y a que deux vraies menaces. Hein. C'est ce bouclier. Allez Jill, faut toucher. Bien joué. Salut mec. En vrai ça va, ils sont tous généreux un peu en termes d'XP. C'est agréable. Oh! Moi j'ai pris une très très bonne décision, j'ai l'impression. You have proven your will arisen. In return, I grant you freedom. Mais ça je l'avais déjà. Equal among us now. The freedom to follow your own will where it takes you. Here, bring this whenever you wish to pass. I shall see you are granted free transit. Symbole d'amitié, très bien. Bon. Par contre, les femmes se détestent. Enfin, les femmes détestent ce monsieur. Du coup, si je me balade avec son symbole dans le camp des femmes, les femmes vont m'attaquer. Du coup, bon, faut peut-être éviter. Et il me semble que tu as une arme ici aussi. Après, je crois l'avoir déjà loot.
Oui, je l'ai déjà loot. J'avais un petit doute, du coup autant vérifier. Le double saut t'offre quand même une liberté agréable. Assassin, c'est le meilleur truc. Ouais, je sentais que j'étais un peu haut là. Bon, du coup, il nous reste le camp des femmes à aller agresser. Enfin, à aller agresser, bon, c'est un bien grand mot. On a deux moyens d'y aller. Du coup, on va utiliser le moyen efficace. On retourne à Grande Sorène. Ah, transpire. Allez, Sarah, vite. Merci. D'ailleurs, Celta est un peu bas level par rapport au reste du groupe. Mais par rapport aux quêtes que l'on va faire, elle est parfaitement à sa place. Elle est niveau 35. Par contre, moi je suis niveau 39. Faut déposer des objets. On dépose tout. Tac 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 tac. Ça, symbole d'amitié. Ça, on va le poser parce que c'est dangereux. On le pose aussi. J'aurais pas. Bon, on verra une fois arrivé là-bas en vrai pour le stuff de femme. Mais je pense que je vais juste prendre l'équipement de Jill et. Et on est bien. De toute façon, on a une grande route qui nous attend là. Faut pas se mentir. Un très long chemin. Mais c'est ça qui est bon. On ignore. On ignore les minables. Je vais vraiment l'attaquer. Alors que je suis là, on ignore les minables, mais je fonce droit sur lui pour l'attaquer. Ça, c'est l'instinct du tueur. On peut pas l'attaquer, le griffon, de toute façon, aussi. Il est où le griffon? Ah putain, je l'avais pas vu. Bien joué les filles. Ok, on a touché. Il va s'enfuir avant qu'on le tue, hein, de toute façon. Alors j'ai pas de doute. Ça m'étonnerait, mais vas-y, essaye. Si t'arrives à toucher, touche. Ouais, il s'enfuit. Peut-être parler un peu vite. On est chaud. On a plus que chaud là. On a tout pris dans la bouche. Allez, Sarah. Vite. Vite, Sarah. Pas trop tôt. Ça dégoûte. J'aurais su, j'aurais pris du soin. Ça touche, hein. Ça touche.
Vous allez les éliminer ces trucs à la con là. Pas censé être une menace les filles. Allez, allez. Concentrez-vous sur le griffon. J'ai pas de soin malheureusement. Ça va poser un problème à moins qu'on arrive à le mettre à terre. À m'accrocher. Là, il faut que je m'accroche. C'est compliqué en même temps. Enfin, voilà. Prendre la bouffe. Voilà, avec de la bouffe, je pourrais le maintenir au sol, enfin me maintenir dessus plutôt. Allez! Allez! On le défonce les filles! Allez, on lâche rien. On l'a bien déclenché là. Belle boule de feu dans sa bouche. Ça sert à rien. Achevez-le. Bien joué. 9000 XP. Griffe de griffon, plume de griffon. Beau kill. Bravo les filles, je suis fier de vous. Fera moins le malin. Arrêtez pas de voler dans la région, ça me frustrait. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un long voyage qui nous attend. Et on va avoir besoin de bouffe aussi. Ah bah des petites orgies de gobelins. Oh. Je vais manger des pommes. Fort en pommes. On est sur la bonne route au moins. Ah, on aurait pu passer par là. Oh, tant pis. On a juste à suivre le chemin, on est bien. Suivons ce chemin. A bridge.
The monsters that lurk here keep this path all but deserted. Oh, madame. Hello. Hello, 45. Vous êtes trop haut niveau, madame. Monsieur. Oh. C'est un monsieur qui respecte la bedaine. De les tuer parce que c'est trop généreux. Faudrait que je chope une troisième technique sur mon assassin. Ah si, là-bas. Quatre. Il a begouillé un petit peu. Il est où l'autre? Mais chopez-le! On a combien là? On le level up bientôt au niveau 40. Oulu! On s'éloigne pas de l'objectif. Non, ça va, on est toujours sur la bonne voie. Mets-moi le feu à mes armes, s'il te plaît. Allez, hein. Merci. Ah. Ah, le double saut n'est pas infini. Ah, c'est la bedaine. La bedaine. Oh, il y en a plein. C'est l'heure du plaisir. Burn them to ash!
Oui. Mort lui, oui. Bah beau ménage les filles. Madame, cette tenue est totalement fabuleuse. Ah. Ah, il a repop. Le petit cyclope là-bas. Ce qui est pas vraiment une bonne nouvelle parce qu'il y en a deux sur le chemin. Mais c'est l'occasion de tester notre notre arme. Allez-vous. Bon. Étape 1, monter sur sa tête. Étape 2, enlever son casque. Étape 3, le tuer. Étape 1, réussi. Étape 2 aussi. Incroyable. On a un beau gosse hein, quand même. Bon. Par contre, la recherche là. Oulu. Allez, mettez-le au sol. Une boule de feu. Pas très plaisant la boule de feu. Je vais attendre que mon énergie remonte. Tel un général, j'observe le champ de bataille. Et ma beauté naturelle. Belle esquive ça. Ça c'est un vrai mage. Ah oh, il est à terre. Bon bien joué mon dieu. Non non sa tête, sa tête, sa tête. Oh je me déteste, j'arrive pas à toucher sa tête, c'est bon, non, non, non. Bien joué. Bon. Il y en a encore un deuxième. On se souvient au début de l'aventure, hein, quand on est arrivé ici. C'était délicat. Hein. Après, beaucoup de choses ont changé depuis. Je suis un guerrier émérite. One shot. J'entends un bruit inquiétant. Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, j'entends un bruit inquiétant.
Hey, j'ai un pouvoir analytique pas mal, hein. J'ai senti que ça puait la merde. Désolé hein, pour l'arrêt sur l'image, j'ai pas fait exprès. Oulé. En vrai, je devrais prendre sa queue là. Ah, dommage. Massacrer le monstre. Ah ! Non, c'est la mienne, ça. Il est où le mage ennemi ? Il y en a un. Est-ce que j'ai pris un glaçon? Ah non, mais c'est la chèvre qui fait du glaçon. Enfin, de la glace, plutôt. Entre mes anciennes armes et celle-ci. Hein. Les 100 000 sont bien investis. $58,000 à l'achat et $58,000 à l'amélioration value. Alors le combat suivant sera un petit peu dangereux, pas parce que l'ennemi est fort, simplement parce qu'il peut nous jeter de haut en bas. Et on va pas se cacher, la chute est rude. Alors, la dernière fois que je l'ai affronté, je ne suis pas tombé. Cependant, mes alliés sont tombés et... Bon, oh. Alors là, c'est le moment de l'attaquer, il est au sol. Vite, 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 vite. Ah. Bon, on va se faire les voleurs d'abord. Étape par étape. Vous allez souffrir ? Si vous me faites... Ah, bah Jill a l'attaque. Hein. Ah, je pense qu'ils étaient pacifiques, simplement Jill elle s'est dit, bon allez, à la bagarre. Jill n'a pas le temps. Elle me ressemble, ça c'est bon. C'est pas mon pion pour rien. Oulé. Allez, faut enlever son casque. Allez, allez. Ah. Oh, la panique était élevée. Allez, allez, allez. Père de la branlette. Ah, mais il y a quelqu'un qui est tombé. Oh, mais non, les filles. Non, pas toi, Gilles. Hein. Fais un effort. Hein. Ah bah Jill est tombée. Bon allez, on va aller la récupérer hein. Parce qu'on a besoin d'elle hein. Parce que si elle meurt, bah je peux pas faire la quête hein.
que sinon j'ai pas de robe. Enfin, y'a que Sarah qui tient debout. Cette équipe de bras cassés. Ah ouais, il reste des monstres. Voilà, ça va, non? Bon, dans le doute, on va pas prendre le risque. Ignore-le, ignore-le. C'est que des loups. Oh, mais elle est morte à un endroit chiant en plus. Jill! Fais pas d'effort. Hein. Bah allez, on y retourne. Et pas de deuxième fois, hein. On tombe pas deux fois. Hein. Deux fois, c'est excessif. Morgan Stern. Incroyable. Jamais j'ai pris une arme comme ça. Je vois rien. Et j'ai pas de poids, hein, bien sûr. Non, j'ai pas de poids. C'est surcoté, la poids. Un coup de poids là quelque part. Non. De toute façon, j'ai même pas de bouteille vide. Oh. Un adversaire de deux poids. Hein. Ça, c'est un adversaire de poids. Bien joué. Ah, c'était un adversaire de poids à une époque. Mais au vu des PV qu'il vient de perdre, j'ai des doutes. Ouah, en fait il est gratos, désolé. Je l'ai un peu survendu. Mais comment il me maravait cet ennemi au début du jeu, quoi. 1400 XP, mais c'est gratos. Bon, je l'ai survendu. Il a récupéré son casque. Il a récupéré ses PV aussi. Oh non, mais non, mais non, j'espère pas. Hein. Non, ça va. Enfin, ça va. Il a récupéré 90% de ses PV quand même. Allez. Voilà, parfait. Aidez-moi ça. Voilà. Bon, personne ne tombe. S'il vous plaît, respectez-vous, respectez-moi. Par ici. Par ici, venez par ici. Voilà, battez-vous par ici. Restez collé à la paroi. J'ai pas des champis? Oui. J'en ai qu'un. Pardon, je rigole parce que mon allié il se prend un coup de massue quand même. Vraiment, je suis un sadique un peu.
Vous êtes un peu sadique, monsieur. Il est on fire. Elle fait pas les choses en moitié. Bien joué, compagnon. On n'est pas un peu fiers. Hein. Alors maintenant, il est l'heure de procéder à l'échange. Jill, enlève ta robe. Donne-la-moi. Parfait. Maintenant, j'équipe ta robe. Ah, oh, je peux pas. No. Mais j'avais parié. Ça passe. Ça passe. Enlever. Bah oui, c'est au créateur du pion. Oh mais oui, forcément. Ah oh, mais je me sens débile. Mais en fait, je peux pas me déguiser en femme, du coup je peux pas faire la mission. Tout ce chemin pour rien? Vraiment? Vraiment? Incroyable. Bon bah, on recommence. On recommence. Merde. Je pensais que la robe était équipable. Bon, il me faut une robe. Je dois avoir une robe dans tout mon coffre. Salut, j'aimerais une robe. Ça compte. J'aurais pu poser un... Mais de toute façon, j'en avais pas de cristal sur moi. Pourquoi je peux pas? Équipement. Est-ce que je suis pas dans l'équipement? Mais même en équipement, je peux pas. Vêtements de prêtre, côte, vagabond, armure solaire, surcroît, gilet, tenue d'hésitation, tenue de voyage, mais ça compte pas pour... Si, ça compte comme femme. Ou alors c'est limité aux femmes, ce qui est pas pareil, vous avouerez. C'est limité aux femmes. Oh, ce jeu... Ce jeu qui limite. Il y a bien une robe que je peux équiper là, quelque part. Robe de missionnaire. Again? J'ai une quête à rendre. Non, pas de quête à rendre. Plat de viande tournée. Take care, you aren't soaked in water. Why not stay? Take all the time. Bah tant pis, tant pis. Merci d'avoir regardé ce petit épisode. Je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.